J'aimerais te dire, et à toi qui me suis, qu'il n'y a pas de crise dans le ciel. Dans le ciel, là où nous sommes, là où d'où nous venons et d'où nous tirons notre provision, il n'y a pas de crise. Notre Dieu ne connaît pas de crise. Il ne connaît pas de crise financière. Dans son royaume, tout est abondance. Et si tu veux vivre cette abondance, tu dois devoir vivre par la foi, parce que le juste vit par la foi. Sache que quelle que soit la crise qui est annoncée, quelle que soit l'inflation, quels que soient les problèmes économiques qui peuvent survenir, si tu gardes ta foi en Jésus-Christ, tu vivras dans l'abondance. Parce que l'abondance, c'est la part des enfants de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent, choisis de lever les regards vers le ciel, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Et là où tu dois stocker toutes tes ressources, et regarde à Dieu, compte sur Dieu, et tu ne vivras pas la crise. Je pense que c'est un moment favorable pendant lequel le Seigneur va élever ses enfants. Je ne te dis pas de croiser les bras, mais sois attentif au mouvement de l'Esprit. Sois attentif à ce que le Saint-Esprit te dit. Prends la direction qu'il te montre et tu ne vivras pas la galère. La crise ne sera pas pour toi. Je crois dans le nom de Jésus-Christ que c'est un moment de distinction pour tout enfant de Dieu. Soyons donc attentifs à ce que le Saint-Esprit va mettre en nos cœurs. Saisissons les opportunités que le Seigneur va nous montrer et soyons disponibles pour pouvoir briller dans ce temps de crise. Que le Seigneur fasse lui sur toi sa lumière dans le nom de Jésus. Prospère financièrement comme prospère l'état de ton âme. Attache-toi au Seigneur, mets en lui ta confiance et tu verras, il agira. Il se manifestera, il montrera sa gloire au travers de ta vie. Allez, sois encouragé. Prends soin d'écouter la parole de Dieu et non pas les médias. Prends soin de regarder aux choses d'en haut et non pas aux choses sur la terre. Que Dieu te bénisse.